Bonsoir, je pense que c'est bon. Donc ce soir c'est Artemis. Voilà, la déesse Artemis. Parfait, je crois que c'est parti. Voilà, donc la déesse Artemis, comme vous l'avez vu sur les très très belles illustrations que j'ai mis sur la page, c'est la déesse de la chasse et de la lune. Voilà, c'était donc la fille de Zeus. Merci, j'ai reçu le message en même temps. Hop, hop. La fille de Zeus et de Leto, voilà, qui s'était aventurée dans les forêts sauvages, les montagnes, les prairies et les clairières avec ses nymphes. Voilà, donc elle vit vraiment dans le monde sauvage, à la différence d'Athéna que nous avons vu précédemment, qui est dans la ville en fait, hein. Elle est habillée d'une tunique courte et elle porte un arc en argent, un carquois de flèches. Elle est archère, au tir infaillible. Peut-être qu'on ne dit pas archère, en tout cas, le féminin d'archer, archère, c'est très beau. Au tir infaillible. En tant que déesse de la lune, elle porte des torches. Voilà, la lune et les étoiles entourent sa tête. J'ai arrêté de dire les voilà. On m'a dit que je disais plutôt voilà. Donc, attention! La bande s'il y a déjà, je crois que j'en ai deux. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà, je vais remplacer par très bien. Des animaux sauvages symbolisent ces qualités. Le cerf, la licorne, la caille partagent donc sa nature insaisissable. La lionne amplifie sa royauté, ses prouesses de chasseresse et le sanglier, son aspect destructrice. L'ours représente sa. Excusez-moi. L'ours représente sa protection, pardon. Voilà, la protection des jeunes filles, par exemple, consacrée à Artemis. Oh, je vais le dire. Les chevaux sauvages en horde. Voilà, entouré de chevaux sauvages en horde. Voilà, comme Artemis et ses nains. Je crois que je vais mettre les lunettes, ça ira mieux. Alors, elle est la sœur jumelle d'Apollon. Elle est née la première, ça c'est vraiment génial. Voilà, elle a tiré la première, elle est née la première. Et Leto, leur maman, de nature divine, est fille du dieu de deux titans. Voilà, j'ai surveillé si elle non. Et bien sûr, Zeus, dieu de l'Olympe, le père, hein, le géniteur d'Artémis et de son frère, qu'on va voir arriver, son frère Apollon. Donc, la mère qui était poursuivie, donc Leto poursuivie par Héra, qui était jalouse, va donner naissance sur l'île de Délos. Et Artémis va aider à la délivrance d'Apollon. Et cette délivrance va durer 9 jours et 9 nuits. Parce que, voilà, Héra avait jeté un sort, on va dire, pour rendre l'accouchement très difficile. Alors, la petite enfance d'Artémis. À ses 3 ans, elle rencontre Zeus, son père, voilà. Et alors, lui, il est très content. Et il lui dit, petite fille, tu auras tout ce que tu désires. Alors, voilà, donc elle va faire la liste. Alors, elle va demander un arc et des flèches, des chiens de chasse, qu'elle va, voilà, et des nymphes aussi, pour l'accompagner. Les lieux sauvages et une chasteté éternelle. Les cyclopes ont lui forgé ses flèches, et elle va rencontrer le dieu Pan, vous savez, ce dieu mi-bouc, voilà, mi-homme et joueur de flûte. Il va lui donner des chiens, voilà, donc elle va recevoir les chiens, je l'ai dit encore, du dieu Pan, c'est très bien. Artemis est très prompte à aider, à secourir, mais aussi à punir. Elle va prendre la défense de sa mère Leto contre décidément sa maman Leto. Elle était toujours avec beaucoup de difficultés. Alors elle va prendre sa défense contre le géant Titus qui va chercher à l'enlever. Eh bien oui. Elle tire une flèche et le tue. Vengeance mortelle d'Artémis. Voilà, et aussi avec Apollon, contre Niobé, provoquant la mort
provoquant, excusez-moi, contre Niobé qui avait provoqué l'étau. À cette heure-ci, les directs, c'était pas trop facile. Alors, c'est la seule déesse à secourir sa propre mère. Voilà, et elle secourt bien sûr les nymphes en danger aussi. On a une belle vie en fait, hein, avec les nymphes, la chasse, la forêt. Je crois que je vais peut-être finir comme Artémis dans les années qui vont venir, n'est-ce pas? Alors, malheureusement, bon, c'est pas par maladresse, mais elle va tuer son amour, qui s'appelle Orion, voilà. Elle va le tuer par inadvertance. C'était une ruse d'Apollon. Voilà, c'est une sorte on verra qui tirera le premier. Et donc, elle a visé Orion, voilà. Et à sa mort, elle va placer Orion parmi les étoiles et lui donne Sirius, voilà, l'étoile du chien, pour l'accompagner durant son voyage. Ainsi, le seul homme qu'elle aimait périt par accident de la faute de sa nature combative. Oui, parce que elle vise, et ça arrive, hein, voilà, elle vise dans le mille. Alors son domaine est la nuit, en lien avec Sélénée et Hécate, la déesse de la magie, hein. Donc elle forme toutes les trois une trinité lunaire. Donc Sélénée au ciel, Artémis sur la terre et Hécate dans l'autre monde. Alors, maintenant on rentre dans le psychologique. Je suis vraiment toute seule, donc c'est bien, je m'accompagne. Alors, archétype féminin, donc si vous êtes Artémis, si vous vous sentez Artémis, c'est que vous avez un esprit d'indépendance féminin et vous recherchez vos propres buts et vos propres choix. Ce sont vos priorités. C'est une déesse vierge, elle ne fut jamais enlevée, comme par exemple Perséphone et Déméter, et elles ne vont pas devenir non plus la moitié de quelqu'un, comme par exemple la déesse du mariage, la déesse Héra. Elle représente la qualité de l'entièreté, une en elle-même. Une attitude, je peux prendre soin de moi, qui permet, voilà, ah, voilà, je le dis, bon, qui permet à une femme de fonctionner, confiante en elle-même et d'un esprit indépendant. Je suis moins qu'à ça. Il n'y a personne, donc personne ne compte. Alors, cet archétype permet à une femme de se sentir bien sans homme. Voilà, voilà, Artémis, deux fois, n'a pas besoin de l'approbation d'un homme. Très bien. Excusez-moi, je suis très, très, voilà, détendue et besoin de me détendre. Donc, je me suis dit, tiens, si on faisait un petit direct. J'ai bien travaillé Artémis. Ça a été un travail de le traduire, toujours de Jean Bellet. Son identité, son sens des valeurs est basé sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, plutôt que si elle est mariée avec quelqu'un. Mon chat sauvage fait des bêtises. Alors, mademoiselle, par exemple, exprime la qualité de cette déesse vierge, indépendante et séparée des hommes. Artémis, l'archer, peut viser tous les buts, qu'ils soient loin ou proches, et taper dans le mille. Elle a une capacité de se concentrer intensément sans se laisser distraire de sa course, que ce soit par les besoins des autres ou en compétition avec eux. Elle va jusqu'au bout. Elle poursuit son but jusqu'au bout. L'archétype rend possible, par exemple, sa propre marque. Évidemment, on va penser en tant que Française à Mademoiselle Chanel. À Coco Chanel, qui d'ailleurs s'appelait toujours de toute éternité Mademoiselle. Et non pas Madame. C'est différent. Et cette nouvelle loi qui nous baptise de Madame, c'est assez intéressant. Je pensais d'ailleurs au mariage où on disait. Excusez-moi parce que mon chat est en train de grimper dans les plantes. Oui, elle se sent sauvage aussi, donc chacun son tour. On va peut-être finir avec les palmiers qui vont tomber sur l'écran. Oui, non, je ne vais pas vous parler, je vais voir ça après. Alors, c'est l'archétype, Artémis, c'est l'archétype des mouvements féministes.
accomplissement des compétences et de l'indépendance vis-à-vis des hommes et de leur opinion. Elle est là, Artemis, elle aide les femmes victimes et les enfants. Protection des agressions faites aux femmes, les viols, les femmes battues. Mais aussi pour l'obstétrique, les grossesses, les accouchements, l'inceste, la pornographie. Elle prévient les torts faits aux femmes et aux enfants. Et Artemis, elle. Je ne sais pas si elle se vend, elle est punie carrément. Voilà. Alors, les sœurs d'Artémis, c'est une grande, c'est une déesse de la sororité. C'est vraiment. Alors, elle est accompagnée des nymphes. Des nymphes. Et donc, elles ne sont ni domestiquées, ni contraintes aux idées des hommes, ni sous leur contrôle. Voilà, vous avez. Voilà, encore. Bon, c'est pas grave, hein, souvent on en peut se faire. Alors, vous avez une femme que j'avais. Je vous avais partagé le lien, une très belle artiste qui s'appelle Gloria Steinem, qui est l'icône du féminisme aux USA, qui a dit Ma vie sur la route. Elle relate à travers ses récits de voyage la richesse de ses rencontres et de ses combats. Si on veut être écouté, il faut écouter. Si on veut être vu, il faut regarder les gens dans les yeux. Si on veut changer leur façon de vivre, il faut savoir comment ils vivent. Voilà, donc je vous ai parlé de Gloria Steinem, qui était surtout une militante, hein, qui a beaucoup bourlingué. Il y a cette notion de mouvement aussi avec Artemis. Voilà, dans le fait de bouger. Et donc pour Gloria Steinem, de prendre la défense et de comprendre la cause des personnes en vivant avec elle. Alors, Artemis est liée, donc, comme je vous ai dit, à la nature. Donc c'est le retour, si vous vivez l'archétype d'Artemis, vous serez très, vous aurez très envie de retour à la nature, forêt, montagne. Vous aurez envie de dormir à la belle étoile, les plages désertes, les déserts. Se sentir en spirituelle communion avec la nature, ne faire qu'une avec elle et aussi regarder en soi. Les visions au clair de lune sont mystérieuses, les univers silencieux, les contours indistincts. Regarder l'immensité du ciel étoilé, être une avec la nature. Oui, on a tous côté ça. Alors, cultivez Artemis si vous avez besoin, vous êtes en manque de cet archétype. Pour cultiver Artemis, il faut suivre son but pour demander, par exemple, des mesures drastiques, voilà, comme s'isoler. Si vous avez absolument envie d'écrire un livre, il va falloir que, drastiquement, voilà, vous puissiez vous isoler. Cultiver la solitude, l'abstinence pour poursuivre l'écriture d'un livre ou d'une création. Quelquefois, c'est absolument nécessaire pour aussi prendre des décisions. Après 50 ans, voilà, les quinquagénaires, donc, les qualités d'Artémis peuvent se réveiller quand elle va vivre seule pour la première fois. Voilà, donc les enfants sont partis, peut-être qu'elle est séparée. Donc elle peut partir donc seule en vacances et s'associer à d'autres femmes, marcher avec elles, l'exploration du sauvage. Donc c'est cet archétype d'Artémis qui vient dans la vie d'une femme, certainement à cette période-là de la vie. Alors, les parents d'une enfant Artémis, c'est une enfant, une petite Artémis, elle sera très concentrée, obstinée. Elle va avoir une mémoire d'éléphant pour ce qu'on lui a promis. Elle va avoir des réactions vives en cas d'injustice. Et elle a besoin de l'appui du père. Elle peut ne pas correspondre aux attentes de la maman, qui souhaiterait peut-être une gentille, douce, obéissante petite fille à dorloter. Alors, en anglais, c'est Don't fence me in. Ne m'enferme pas. L'autorité du père est pour elle plus importante que celle de la mère. La fille peut devenir aussi le parent d'une mère, par exemple, dépressive. Voilà. Donc, durant l'adolescence,
Elle est compétitive avec courage, persévérance et volonté. Ah, coucou Sophie, on est parti pour Artemis. Oui, elle est avec Sophie, ça t'aura bien retenu, hein, parce que là, elle est très, c'est l'experte. Hein. Moi, je sais pas si tu as assisté au début. Voilà. Alors, très bien. Elle sait ce qu'elle veut et n'a pas. Donc, ça, c'est quand elle devient une jeune fille, c'est le prototype de la du jeune scout, en fait. Hein. Donc, Artemis, elle sait ce qu'elle veut, elle n'a pas envie de faire plaisir aux autres. Cette assurance ou certitude peut nous jouer des tours. On la verra têtue, obstinée et pas féminine. C'est une personnalité qu'on voit souvent chez les skieuses. Alors, dans son domaine professionnel, dans sa carrière, Artemis peut devenir avocate, faire de la politique, du journalisme, de la créativité. En tout cas, ce sera toujours très personnel. Elle n'aura pas d'ambition financière, ni de reconnaissance cherchée. Elle sera par exemple l'avocate des causes perdues. Ce sera une voix dans le désert ou une artiste non reconnue, mais toujours fidèle à elle-même. Elle fera partie de groupes de femmes, elle aura des très bonnes amies, elle aura un penchant pour les causes féministes, elle se sent en égalité avec les hommes, elle se sent en égalité avec les hommes, mais elle sera contre les stéréotypes, bien sûr. Mais parce que son frère, voilà, elle est très liée à son frère jumeau, hein, à Apollon. Alors, les relations d'une Artémis avec les hommes. Alors on en reparle, son frère jumeau Apollon, le dieu du soleil, multifacette, son domaine est la cité, et aussi, vous savez, les oracles de Delphes. Alors, et elle, le monde sauvage, lui, le soleil, elle, la lune, lui, le dieu de la musique, elle, les danses sacrées, la rationalité et elle, et les lois, rationalité et les lois, et l'irrationnel, comme le dieu des prophéties. C'est son modèle relationnel, le frère-sœur dans le travail. Elle sera entourée de son jumeau Apollon. Elle sera en amie, on va dire, elle aura tendance à chercher l'amitié avec les hommes. Elle ne sera pas du tout dans le jeu de séduction. Coucou. Elle ne sera pas dans le jeu. Réponse à Sophie. Ouh là là. Ok. Ah oui. Elle ne sera pas dans le jeu de séduction comme Aphrodite. Alors, on a comme exemple Jane Fonda, qui était une actrice, une activiste, très liée au fitness, donc vous voyez au corps, hein, côté sauvage du corps. On a, voilà, donc Jane Fonda qui avait comme ami Tom Hayden, un politicien. Ces deux mondes opposés comme Artemis et Apollon. Et donc elle n'est pas du tout Artemis attirée par une relation possessive de l'homme ou un homme qui l'épate. Hein. Moi Tarzan et toi Jane, ça ne marche pas chez Artemis, même si Tarzan est sauvage, mais voilà, ni la relation mère-fils. Voilà, cette relation-là non plus. Elle peut avoir aussi un bon accord amical avec un ex. C'est tout à fait possible, c'est pas une faiseuse d'histoire. Hein. Si elle veut poursuivre une relation, la fièvre du samedi soir, là, voilà, comme aujourd'hui, il faut qu'elle rejoigne sa sœur Aphrodite. Donc Aphrodite va apporter l'attraction sexuelle. Et Héra va l'aider à sortir de la relation frère-sœur. Alors, un homme peut être attiré complètement par la pureté d'Artémis. Son aide indéfectible, son indépendance, son affirmation, sa force, sa volonté en complément. Si vous avez un homme qui a besoin des archétypes qu'Artémis a, il va être passionné par ce type de femme. Comment Artémis atteint la maturité? Voilà, elle devient plus la déesse de la lune que plutôt que la déesse de la chasse. Le lien, elle aura plus un lien avec Hécate. D'ailleurs, toutes les deux sont déesses de la lune. Et elle va rejoindre la psyché, les domaines spirituels. En fin de vie, elle pourra être attirée par des voyages, l'étranger, des nouveaux projets. Et par exemple, vous avez
une femme, une septuagénaire, Elisabeth Terwilliger, qui était un guide naturaliste et jusqu'à plus de 70 ans qui a arpenté les montagnes, les forêts, les prés avec des enfants pour leur faire vraiment découvrir la nature. Et vous avez un peintre, une femme peintre qui s'appelle Georgia O'Keeffe, que je vous ai présenté sur Facebook avec des très beaux tableaux agrandis de fleurs, qui a jusqu'à l'âge de 95 ans a continué à peindre avec passion. Donc la passion artistique et spirituelle jusqu'à 90 ans. Et ce que dit Georgia, voilà, elle dit, encore voilà, j'ai toujours su ce que je voulais, tandis que la plupart ne le savent pas. Elle est seule, on va dire, maîtresse à bord. La psychologie d'Artémis, c'est aller à l'aventure où il lui plaît, avec qui elle veut. Contrairement aux autres déesses, elle n'a jamais souffert. Cependant, là, il y a bien une part d'ombre, hein, elle blesse ceux qui l'ont offensée et menace. Elle peut menacer aussi ceux qui sont sous sa protection. Il faut quand même se tenir à carreau. Elle vit en poursuivant un but, elle en tire satisfaction et n'a pas de manque dans sa vie. Elle peut investir une grande énergie dans ce qui a du sens pour elle. Elle se laisse porter au gré du vent. Une base fixe n'est pas importante. Voilà, bouger, déménager, ce n'est pas tellement important. Elle n'a pas de pression du mariage ou des enfants. Elle peut, par exemple, manquer évidemment d'intimité relationnelle. Ses relations sont surtout la sororité et la relation fraternelle, comme je l'ai expliqué avec les hommes. Elle a besoin de s'impliquer dans son propre intérêt. Si un homme se rapproche trop d'elle émotionnellement, l'excitation de la chasse s'enfuit et elle va s'en désintéresser. Messieurs, si vous êtes attirés par une Artémis, surtout n'approchez pas trop près, hein. Et surtout, si elle sent la vulnérabilité du manque. Là, si elle se sent tout d'un coup vulnérable ou prise émotionnellement, là, elle va s'échapper. Tout va bien tant qu'il y a de la distance. D'un point de vue masculin, voilà, c'est ce que ça, savoir ce que les gens, les hommes, pardon, pensent d'elle. D'un point de vue masculin, elle est comme une sirène, moitié femme, moitié inhumaine. Artémis doit apprendre à faire attention, à écouter l'autre, ne pas disparaître comme un animal sauvage dans la forêt. Elle doit développer de la compassion, de l'empathie, ce qui vient avec la maturité. Elle vient en aide aux femmes victimes ou oppressées par le patriarcat. Elle doit apprendre la vulnérabilité, où elle peut prendre soin d'une autre personne. Et ceci dans une relation avec un homme qui l'aime ou une femme. Un homme aimant attendra qu'Artémis reçoive de l'aide d'Aphrodite. Elle deviendra ainsi consciente de son besoin d'intimité autant que de son besoin d'indépendance. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Oh, il y avait bonsoir Jean, Jean-André, Sophie. Jean s'est glissé avec Sophie, je ne sais pas, peut-être vous êtes l'Apollon de Sophie Rhume, je ne sais pas, on va voir ça. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et que vous pourrez vous repasser. J'ai été un petit peu, voilà, un petit peu funny ce soir. C'est vrai que j'aime beaucoup Artémis et j'ai une vie assez compliquée en ce moment. Donc, j'étais ravie de raccrocher l'archétype d'Artémis pour poursuivre justement des buts que je dois mener à bien. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et encore à bientôt pour d'autres sujets et une suite peut-être estivale à Vestale. Qui sait, qui sait, ça mijote, celle-là, elle me parle bien aussi. Je vous embrasse très fort. Namasté.